faut arrêter de parler de Nazim Boubboul tout le temps. Hein. Tu sais qui c'est pareil quand tu fais des concerts de rue, il faut éviter de te mettre dans la place des SDF où il y a du pipi partout et tout, parce que la dernière fois on avait vu quand même une flaque de pisse qui était juste à côté. Alors, tu fais une carotte ton téléphone. Mais elle déconne complètement. Moi, pas du tout. J'ai jamais chanté où il y avait de la pisse. J'ai toujours trouvé. Elle a dit ça simplement. Pourquoi? Parce que c'était. Il pleuvait. Je mets encore. Lèche la machine, lèche. Ah ouais. Ah bah c'est continue. Oui, Chana, oui. Oui. Oui, Chana. Ah oui, Rayou. Ah oui, Rayou. Ah oui. Il comprend pas ce qu'il dit. Suivez le bistop de Riri. Moi, mon histoire, à la base, c'est une histoire qui parle de ma vie. C'est une histoire d'amour passionné. Contrairement à toi, il n'y a pas d'émotion. Ah ouais, on dirait pas. Parce que la seule chose que t'as fait un petit baratin et t'as fait un montage de thé, t'étais hors sujet. C'était anachronique. Concert, quand je vais en concert, mes concerts, ils parlent aux gens. Je leur donne des, des cadeaux. Ouais, je leur donne à manger. Des autres, t'es capable d'avoir ton propre style. C'est mon style. Je demande, regarde, j'ai mon propre style. Regarde mes cheveux. C'en est une chose, non? Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Bah, tu mets des perruques, pourquoi pas, mais c'est pas naturel. Voilà. Bah, toi, en plus, tu t'en mets des perruques. Ah non. Moi, bah, je suis naturel. Alors, tiens-toi des cheveux pour qu'on voit, alors. Oui, oui. Ah, j'ai jamais mis de perruque. Et encore, les perruques, c'est ceux, malheureusement, qui sont atteints par le cancer. Donc, quand même. T'es en train de dire que j'ai le cancer. Non, je dis simplement. T'es en train de dire que j'ai le cancer, moi. Excuse-moi, Régis, mais je t'ai dit, j'ai un problème de cou. C'est orange, il me casse la tête. C'est horrible. Autant orange, merde, on paye ça, orange. Hein. Mais oui, mais écoute. C'est les plus chers sur le marché. Écoute, orange, en termes de fibres, c'est les meilleurs. Pas vrai. Plus maintenant, chérie. Qui donne-moi. Même fric et à 9 euros l'abonnement, ils sont au top. Je la garde. Comme pour SFR, du coup. Et oui, et comme Marlboro, toi, j'ai commencé à. Non, mais ça, c'est de la merde. Ça dégage, la clope, ça dégage. Non, c'est bon. J'ai été opéré du cœur, le toubib m'a dit plus de cigarettes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fumes. Je bouffe et je bois. Fumer ou jouir, il faut choisir. Ah, les deux, moi. C'est bon, je prends. Voilà, l'extrême. Voilà. L'abus. Ouais, attention, elle, elle a dû répondre dans elle. Non, je crois pas. Non, tu sais. Moi, je suis calme comme un agneau. Mathieu, en fait, les femmes, elles ont du répondant à partir du moment où certains hommes qui auraient un brin d'intelligence leur laissent avoir du répondant. Ah, parce que toi, t'as un brin d'intelligence, bien évidemment, quand tu t'exprimes à chaque fois au bout de la France, mais alors quand t'es devant Macron, tu fermes ta gueule. J'aimerais savoir pourquoi t'as besoin d'un clavier et d'internet quand tu t'exprimes devant des gens sur du virtuel, mais quand t'es devant une France devant ta République, tu t'écrases. Tiens, t'es dans mon live, tu vas te taire, tu m'as fatigué. T'as pas de cerveau, tu dis n'importe quoi, tu dis des bêtises. Mais tu t'es regardé? Non, mais c'est pris pour qui, elle? Non, mais pourquoi j'ai des tons qui viennent? Oh, ça va, je suis pas pêcheur professionnel, moi. Je vais pas à la pêche au thon. Non, mais elle a pas de cerveau. C'est les vraies personnes avec qui je discute. Et il y en a pas beaucoup. Ah, moi, je suis une vraie, moi. Et tu peux pas faire plus vrai que moi. D'accord. Bah, la preuve. Hein. Ok. Et. Mais qu'est-ce que. Tu peux. Vas-y, Kélia, tu peux aller. Tu peux t'en aller, Kélia, ça te dérange pas? Dégage, rien à foutre. Ouais, non, mais rien. Mais achète-toi un cerveau. Achète-toi un cerveau et tu pourras montrer ton cul après. Parce que sans cerveau, qu'est-ce que tu veux montrer ton cul? Putain, mais c'est pas possible. Ah, ouais. Non, mais vous voyez les gens que vous m'envoyez? On la connaît pas. Vous allez bien commencer. Toi, je n'ai fait un clip. Aujourd'hui, mon clip fait 16 000 vues. Comment il s'appelle? J'ai d'autres activités dans le domaine du spectacle. Il y a des gens qui viennent. Et toi, je fais une présentation annonce. Et vous allez revenir à partir de 23h. Ah, ouais, 23h. Je suis à la radio, Manu. Ah bah oui, mais je suis professionnel, tu sais. Il y a des règles dans l'audiovisuel. Hey, moi, je fais pas dans je suis un artiste sur multiple talents. Présentation, l'annonce. Et ce qui me fait plaisir, c'est que portable. Après, ça dépend comment on s'en sort. Tommy, les enchaînes, les donuts. Je te dis une chose. Tommy, je suis aussi comédien. Donc, j'essaie, en fonction de mes chansons, de mettre le sentiment qui accompagne. Manu, je ne te parle pas de ton expression faciale. Je parle tout simplement de la synchronisation de tes lèvres par rapport. Tommy, j'ai aucun problème parce que je sais placer ma voix. Sinon, je suis dans ce métier depuis un certain temps. Hein, comprends. En tout cas, tu me suis des Bahamas. Alors d'ailleurs, quelque chose, hein, c'est ce qu'on appelle remettre une pièce. Oui, pourquoi?
Pourquoi tu mets une pièce? Parce que j'ai envie de remettre une. Tu mets une pièce, mais ça correspond à quoi? Je comprends pas. Pourquoi on met une pièce? Généralement, on met une pièce pour une bonne cause. C'est pour le booking. D'accord. Je peux te poser une question. Pourquoi tu mets une pièce? Pour le booking. La théorème du booking. Avoir eu la parabole, non? Eh ben, justement que non. Non, pas comme un booking. Justement, où il y a 40 paraboles dans l'immeuble, dans les balcons. Rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre, c'est comme ça que tu les repères. Il y a, à la Courneuve, tu y vas, il y a 40 paraboles sur chaque balcon. Que des beaux. Ils ont pas de thunes. Ah, ils ont pas de thunes. Donne la PL, on a pas de maison de paraboles, ils ont tué. Ils ont tué pour capter Al Jazeera. Attends, la radio, la télé en algérienne. Ils vont faire enculer. Des bâtards de merde. Ils jouent avec mon. Alors ça, c'est un truc de fou. Bâton vivant. C'est personne, ton gars, c'est personne. Non, une lampe genre quoi. De Régis, ouvre la porte, Régis. Ouvre la porte. Open the door, FBI. Et après, tu vois, regarde, écoute ça. Parce que ça fait pas que lampe, hein. Ça fait Tiger. Allez, tire. C'est de la bonne, la route, c'est mort. Faut la tirer, cette vieille pute de, c'est mort. Jouis, Sana. Je jouis une roue, mais mort. La jouissance de la naissance de la roue ce soir, là. Putain, ça. Jouis encore. Rayou, allez, Rayou. Allez, mon petit Rayou d'amour. Eh ben, si je vais te faire l'amour, s'il y a le bonus, tu vas comprendre c'est quoi te faire niquer. Ah, la roue. Ah, la roue. Oh, faut la jouir, cette pute. Faut la jouir, cette salope. Oui, Shana, oui! Oui! Oui, Shana! Oui! Ah oui, Rayou! Ah oui, Rayou! Ah oui! Lèche la machine, lèche! Ah! Ah ouais! Ah vas-y, continue! C'est il comprend pas ce que. C'est quoi ces mecs là, putain? Toi, tu te fous de ma gueule, toi! Toi, tu te fous de ma gueule en fait! C'est pas le problème! Tu te fous de ma gueule! Tu DM le staff, tu me fais un ticket alors qu'on a d'autres choses à régler, on est des admins de terrain! Juste pour me demander un véhicule, t'es sérieux là? DM le staff, j'ai juste fait un report. Non, t'as fait un report pour demander une moto. Bah oui. Je crois pas qu'il y a un problème là. T'es pas sur un serveur sérieux SRP. J'ai en pleine ville en plus. Tu vois pas qu'il y a des mecs en bagnole qui peuvent passer, tu fais l'autostop, tu demandes à des gens, tu prends un vélo, je sais pas, n'importe quoi. J'ai demandé une moto, c'est simple, hein. Tu me dis non et puis basta. Non, y a pas de. Non, là c'est un affront là. Là je vis ça comme un affront parce que tu vas faire ça à d'autres staff. Bah dans ce cas, tu me dis non et tu dis à l'avenir, ne fais pas ça s'il te plaît. Ah j'avoue, je pourrais dire ça, ouais. Bon bah ne fais pas ça la prochaine fois s'il te plaît. Vas-y, ça va. Attention, vous m'arrêtez sur un point de récolte la première fois. Non. Voilà. Arrête, ne mens pas. Et même si ça arrivait deux fois, vous m'avez arrêté sans weed, sans drogue sur moi. C'est quoi, il doit y avoir un jugement, il doit y avoir un juge qui doit arriver, il y a un juge dans le tribunal, il y a un avocat. Et ils ont trouvé que 24 heures de fédéral, c'est normal tout ce que j'ai fait. Alors qu'ils m'ont attrapé sans weed, sans armes, sans rien. J'ai payé l'amende, donc ça veut dire que c'est oublié, t'as de quoi on parle. Bien sûr, donc je vais faire. Non, mais quand je paye une amende, ça veut dire que c'est comme si j'ai payé un petit peu ma peine. Aucun problème. Ouais, mais les gars, c'est quoi? Aujourd'hui, on m'a attrapé avec quoi? À part rien. Ouais, mais 24 heures, ça se trouve, ça arrive, ils vont te libérer au bout de 10 minutes. C'est genre, non, c'est ils vont pas le faire, ils ont la haine contre moi parce que c'est une grande et tout, putain, la douleur, ils vont pas le faire. Ouais, bah, vous reprenez la scène et voilà. Ils ont grave la solution va être légère, de toute façon, ils vont se raviser. Mais quoi, ils ont pris 10 minutes, 1 heure et moi je Mais tu vas arrêter de parler! Bah ouais, mais attends, mais là, ils sont là pour le RP, ils veulent aller dans ton sens, donc joue un peu, normal, voilà, il y aura reprise de scène. Sur 24 heures, c'est pas grave, c'est ça? Mais non, tu vas pas rester dans un seul endroit, sur le serveur pendant 24 heures, c'est pas possible. Bah voilà, tu vois, je m'écoute pas. Bon, vas-y, les gars, vous occupez pas, les gars, je la mets 24 heures en jail. Peut-être qu'il est gros, PS Game, mais il est pas gay IRL. Merci. Bah, il est gay sur Discord, en tout cas. Wesh, il est bizarre. Tu sais que gay, tu sais ce que ça veut dire, au moins? C'est-à-dire embrasser des hommes par la bouche, non? Bah, en gros, ça veut dire être amoureux genre, si t'es une fille, t'es amoureux des filles, si t'es un homme, t'es amoureux des filles. N'importe okay. quoi! Bah, moi, c'est ce que je sais du gros. N'importe quoi! Alors, mais merde. C'est quoi alors un gay? Alors, dis-le, alors, mec. Un gay, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être une fille pour être un homme sur Discord. Et pour sortir avec les hommes? Avec la bouche. Avec la bouche. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais je pense que ça veut faire partie du truc, ouais. Ça peut faire partie d'une grande partie. Bon, bref, sans rancune, mais. Je trouve ça toujours très drôle, quand même, sur le fond. C'est pas non plus quelqu'un qui élève socialement le débat tout le temps. Je peux pas. Mais t'avais Stéphanie dans mon live. Demande aux gens qui sont dans mon live. Je t'ai dit, je pense que je vais pas tarder de partir. Je ne trouve plus ce que j'aimais avant dans les discussions que je pouvais avoir. Ne me prends pas mal, mais de mon point de vue, et c'est que mon point de vue, tu me fais penser un peu à ces femmes qui sont un peu plus intelligentes que la moyenne, et qui s'entourent d'abrutis pour paraître belles et intelligentes, mais qui ne sont pas forcément intelligentes pour autant. Tu viens ici, ça te permet de rehausser un petit peu ton ego et rehausser un mais peu non. ton... Mais non, tu sais que non. De gens qui sont assez...
Oh, il l'a terminé. Oh. Non, mais je t'aimais bien jusqu'à ce soir, mais là, bon, c'est vrai que... Eh ben, si tu m'aimes plus depuis ce soir, on se parle plus. Non, parce que tu crois que je suis une trolleuse ou que je mens. Non, mais je suis vraiment sérieuse pour le coup. D'accord. Ouais, bah tu sais ce qu'on va faire, puisque tu n'es pas une trolleuse. Et puisque j'ai bien annoncé que je te draguais pas, parce que draguer une meuf en l'invitant à un match de foot... Oui, bon, ça va. Un peu surfait. Mais donc, ça te dérange pas de m'écrire ton téléphone en privé? Non, je peux te l'écrire si tu veux. Tu envoie-moi un message, parce que là, c'est quand même le bon technique point. Technique condamne, WhatsApp. Me fais ban à chaque... Tu vas pas te déplacer pour aller voir le match si je suis pas là. Et je ne suis pas comme vous, moi. Alors, je remets les choses dans le contexte pour ceux qui n'ont pas... Si le match, les gars, on parle d'un match de Ligue 2 du PFC. Je joue pas avec les autres humains. À les entendre, c'est un match de Ligue des Champions. Je préfère le dire. Ouais, c'est, alors. C'est moi, pas le PSG qui vont aller voir. Match de Ligue 2. En plus, tous les matchs du PFC cette année sont gratuits. Moi, je vais aller dormir. En général, il y a toujours ma maman pour appuyer sur le lecteur CD parce que du coup, je sais jamais où appuyer. Donc, tu toujours là. Ouais, mais j'avais quelque chose à dire aussi par rapport à tes concerts de rue. Au contraire, je trouve ça très intéressant et je suis en admiration, je reconnais. Ça va pas durer longtemps. Bon, tu vas me laisser parler maintenant, Manu. Oui, faut arrêter de parler de Nazim Boubboul tout le temps. Tu sais qui t'écoute pas. T'as que 5 viewers sur ton live, Manu. Faut que t'arrêtes de parler de lui. Faut un peu que tu l'oublies. D'accord. Tu te regardes pas tout le temps. C'est pareil quand tu fais des concerts de rue. Il faut éviter de te mettre dans la place des SDF où il y a du pipi partout et tout. Parce que la dernière fois, on avait vu quand même une flaque de pisse. C'était juste à côté. Alors, tu peux faire une carotte sur ton téléphone. Regarde mais même attends, pas, alors Morgane, attends, Morgane, je peux te répondre. Tu que c'est un fiasco total. Non, attends Morgane, simplement, elle parle, mais elle laisse pas parler, c'est pour ça que je l'ai coupé. Et je crois que j'ai même aperçu dans ta chaîne Riri. Et quand on parle, on laisse parler les gens. Alors je suis désolé, j'en parle peut-être beaucoup, parce que vous m'en parlez. Oula, il est remonté là, non mais elle déconne complètement. Moi, pas du tout, j'ai jamais chanté où il y avait de la pisse. J'ai toujours trouvé... non, elle a dit ça simplement. Pourquoi? Parce que c'était... Il pleuvait. C'était pour me protéger. Donc, il pleuvait. Non, Shanna dans les bacs, de retour sur GTA, dans la street, à embrouiller tout le monde. Tu vas jouer avec le petit gamin, le petit Bobby. Le Bobby, là. Non, c'est bon, lui. T'en penses quoi de lui? Franchement, il est bon, non? C'est un petit garçon sympa, non? C'est un cassos, ton bidule, là, c'est un mioche. Mais non, il clash bien les gens, c'est une pépite. T'es but en zéro, hein, sans déconner. Tu l'as formé dans une maternelle, celui-là. Il met encore les couches. Non, il a bien été formé, arrête. Il a révisé la mosquée, espèce de... Déjà, tu vois l'intelligence extrême, sale. Ça veut rien dire. Compare pas des phrases avec une bible, espèce de... Mets des points, sale. Oui, Mohamed, vas-y, dis-moi, tiens, là, le prophète qui est en live. Oh non, c'est... La putain de sa race, ça peut être sa mère, mon pote. Tina, c'est le chétan, mon pote. Non, mais Jimmy, il était mignon, lui. Je t'ai déjà dit, quand t'as un fils de p*** sur Internet qui monte pas ta tête dans le c***, espèce de s***, tu vas niquer ta mère, sale pute. Ou soit tu montes à la caméra, tu viens m'exterminer comme un bonhomme, ou soit tu vas t***er maman et papa sur un écran et tu vas ta grand-mère, sale pute. C'est bon ou pas? Je peux pas t'insulter, en fait, parce que la nature t'a déjà... Ta grand-mère sur le physique, espèce de fils de p***. Et quand je vois ta gueule de je me dis que t'as pas été fourniqué par ta de mère, t'as été fourniqué par un sac plastique, espèce d'enfant de vieux. Chica, vas-y, dis-le. Bravo, Chica. Babouchka, et c'est quoi? Demande-moi une musique et je te laisse enfumer. Carmen, tout. Je suis pas au pire. Non. Bah, yon. Ok, mais je l'ai. Mathias? Bon, les amis, il est peut-être malade. Je sais même pas où il habite. Malade, hein. Il a voulu. Bon, Mathias, une fois, deux fois, au revoir. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le best-of de Riri.